Vous m'avez dit 16h, il est 18h30. J'ai prolongé parce qu'il s'est éclaté. Et ce soir, pas de dépassement. Non, grave, je coupe tout à 4h. 1h. 3h ? T'es viré. Ok. 1h, c'est très bien. Ça va bien ? Sam ? Tu me reconnais pas, c'est ça ? Ah, mais oui, 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 Christine. Christine de Berlin. De Londres. De Londres, voilà, c'est ça, of course. C'est cool de te voir avec ton bébé. C'est ta fille. Est-ce que tu la connais, cette meuf ? Bon, on n'a pas que mon couche ensemble, mais franchement, pas assez pour dire, bah, tiens, voilà, c'est ta fille, salut. C'est bon, là, non ? Christine ! T'as oublié tes affaires ! Je vais juste rendre un enfant comme c'est pour vous. Christine ! Carte d'embarquement et passeport. Ma copine, elle a oublié sa fille. Carte d'embarquement et passeport. Mais donc, tu connais qu'une phrase, toi ? J'ai un bébé sur les bras, je trouve pas sa mère, j'ai tout perdu, mon portefeuille, j'ai plus de couches et il pleut. Vous parlez français ? Ouais, ça m'arrive. Ah, vous allez me sauver la vie. Avec plaisir. On n'est pas à peu près là ? C'est pas faux. Si vous changez d'avis, il y a mes coordonnées pro et ça, c'est perso. Avez-vous la moindre idée des conséquences de votre éducation sur Gloria? La semaine dernière, elle n'est pas venue du tout. Ah bon? Même pas le lundi? On peut! Maman, elle m'a envoyé un mail! T'arrêtes d'envoyer des faux mails et tu dis la vérité à ta fille. Un matin, elle va se rendre compte que tu lui mens depuis des années. Et ça, crois-moi, ça, ça va réellement la rendre malheureuse. Je sais. Ça a duré 8 ans. Tu sais ce que c'est, 8 ans? C'est une éternité. Faut qu'elle rentre à la maison et que tout soit comme avant. Sam, ça peut pas être exactement comme avant. Si elle est venue pour foutre la merde dans la famille, c'est pas la peine. J'ai pas envie de la rendre malheureuse, tu peux entendre ça? Gloria est arrivée dans ma vie du jour au lendemain. J'étais pas prêt. Mais je fais du mieux que j'ai pu. Je te laisserai plus jamais. Je te promets. Elle va revenir. Laisse-lui juste un peu de temps. Tu t'en joues pas.